vous souhaiter la bienvenue, mais je vais le faire, on va dire, dans la langue catalane. C'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Alors, je vais vous souhaiter à tous la Ben Bingout, voilà, ici à Mesnil-les-Bains. Alors, je suis ravie, enchantée, heureuse d'être ici aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un projet de longue haleine, voilà. Vraiment, la ville d'Amélie-les-Bains avait cette intention d'accueillir les camping-caristes sur la commune, de dynamiser un territoire, de pouvoir leur proposer toute l'année une aire d'accueil pour les camping-cars avec une prestation de service de qualité. Et ça, je tiens vraiment à le souligner, puisque ça a été vraiment le positionnement de la ville d'Amélie-les-Bains. C'est vraiment partir sur un produit de qualité. Donc cette aire est maintenant ouverte officiellement. On voit qu'il y a un travail qui a été réalisé, qui est vraiment heureuse, parce que c'est la première réalisation visible, c'est-à-dire la première chose qu'on inaugure depuis notre élection. Alors, je voudrais quand même remercier de leur présence Monsieur le Président de la communauté de communes et maire de Prades-le-Bouillon et Monsieur le maire de Montboulot, parce qu'évidemment, Amélie, c'est l'entrée du territoire. C'est l'entrée, Amélie se projette sur l'ensemble du territoire jusqu'à Prades et au-delà, parce que justement, on se trouve à l'entrée de cette belle vallée du Haut-Val-Espire. Alors, non seulement ces camping-caristes qui vont arriver vont nous aider à remettre le clocher au milieu de la ville, c'est-à-dire à faire d'Amélie une station un peu huppée, une station capable d'accueillir une clientèle avec un bon niveau d'achat, un bon niveau culturel, etc. Donc ça, c'est un marqueur qui est très intéressant pour une station thermale. Mais aussi, ça nous a permis de faire travailler des entreprises locales. Donc je salue ici la présence de Stephen Sauce et de ses collaborateurs, et celle évidemment de l'entreprise Pi, avec qui mes liens sont tellement anciens qu'ils se confondent dans la nuit des temps presque. Hein, voilà. Donc si vous voulez, il y a cette idée, on prend ce qu'on a de mieux, et avec ce qu'on a de mieux, eh ben, on fait ce que maintenant on aura de mieux au niveau de l'offre. Alors moi aussi, je remercie bien évidemment les services municipaux, je remercie aussi les élus qui ont choisi, parce que ce sont les élus qui ont choisi lors des commissions, donc l'entreprise délégataire. Je remercie aussi ces messieurs dames qui viennent de l'Aude donc pour tester notre nouveau camping car parc. D'ailleurs, je leur offre un petit panier avec des petits souvenirs d'Amélie pour que vous ne repartiez pas les mains vides. Voilà. Et donc, merci. Je vous en prie. Et donc, contrairement à ce que pensent d'aucuns, avoir des camping-cars, ça n'empêche pas de faire travailler l'hôtellerie, c'est une imbécilité, puisque tout est complémentaire et que donc évidemment les besoins sont pluriels. Ensuite, bon, des gens qui sont dans des camping-cars, ce sont des gens qui achètent, des gens qui vont au restaurant, des gens qui se font à manger, etc. Donc ça fait travailler le tissu local. Et c'est à nous d'avoir l'intelligence par notre politique culturelle, par notre politique thermale, par la beauté de nos paysages, par notre offre sportive, notre offre de pleine nature. Bien, c'est à nous de leur donner envie de faire d'Amélie leur port d'attache et l'endroit d'où ils vont pouvoir rayonner un petit peu partout sur ce territoire magnifique qu'est le Haut-Val-Espire. Donc je suis très heureuse d'inaugurer ça. Je remercie vraiment la société délégataire parce que ça a été un travail vraiment agréable. Je pense qu'il n'y a pas eu de grains de sable. Bon, il y a eu toujours, bon, comme d'habitude, là, c'est un chantier. Hein. Mais bon, en tout cas, je pense que la prestation est réussie. J'espère qu'on aura une clientèle nombreuse et choisie. Et j'espère que ça sera un signe positif, non pas seulement pour Amélie, mais pour l'ensemble du territoire dont mes collègues ici sont porteurs. Claude, est-ce que tu veux dire un petit mot? Allez. C'est vrai que ça fait plaisir une telle réalisation sur notre territoire. D'ailleurs, c'est la première de tout le territoire de la communauté commune. Même si avec madame, nous nous connaissons depuis 2014, nous n'avons pas encore conclu. Ouais. Donc, le terrain est trop petit. Le terrain est trop petit à Place de Moyot et il y a des contraintes avec les bâtiments de France. Merci en tout cas à la mairie d'Amélie-les-Bains et aux entreprises d'avoir réalisé un tel outil touristique qui est nécessaire dans cette vallée. J'espère que ça donnera des idées à d'autres, en tout cas, parce que, comme tu l'as dit, Marie, la clientèle des camping-caristes, c'est une clientèle de qualité,
qui apporte beaucoup aux endroits où il s'arrête. J'ai la chance d'en avoir qui s'arrête à Fraser-Moyau. Mais quand ils viendront vidanger à Amélie-les-Bains, ils remonteront dans la vallée. Mais c'est vrai qu'on a besoin de projets de ce type pour relancer le tourisme. On a subi de nombreuses années d'immobilisme là-dessus, pour pas être, pour être poli. On a presque régressé un moment sur l'accueil des touristes et surtout des curistes. Donc Amélie-les-Bains est bien le fer de lance de cette vallée, que ce soit touristiquement ou encore plus au niveau du thermalisme. Mais voilà, ça va donner des idées à d'autres. On a un territoire qui est magnifique. J'espère que Camping Car Park va essayer de trouver des aires plus petites pour notre petite vallée. Ce serait très intéressant de développer tout cela. Et moi, je suis vraiment ébahi par ce que vous avez réalisé. Je ne connaissais pas cet endroit. Je connais plus l'autre côté qui mériterait aussi une rénovation. Une grosse rénovation. Le Gau. Voilà. Nous sommes allés ensemble au Gau. Si ça déjeune, voilà, eh bien, tu peux réarmer. Voilà. Merci, monsieur Pi. Et voilà. On aime bien. Le climat est agréable. Oui. Oui. Il fait chaud, il n'y a pas beaucoup de vent. Oui. Moins que la bonne. Donc bien satisfait. Là, vous allez rester du coup 2-3 jours. Oui, 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 on va rester 2-3 jours. Si on va en profiter aussi, pour venir un peu dans la. Ok, super. Quel est votre prénom? Gérard. Lucienne. Et vous venez d'où dans l'Aude? La Palme. La Palme. Ok, d'accord. Il y a un engouement particulier, je sais pas, avec le Covid par exemple, pour le camping-car, ou c'est quelque chose d'assez connu depuis plusieurs années? Alors, en effet, le marché du camping-car est en plein essor. C'est un grand boom, voilà. Et la crise sanitaire a, on va dire, contribué à cet effet un petit peu, à cette grande mode finalement, où les camping-caristes sont un petit peu dans leur bulle, partent quand ils le peuvent, quand ils le souhaitent, quand ils le veulent, selon la météo. Donc ils ont cette liberté finalement. Et il y a vraiment cette recherche aussi de contact auprès des territoires et de découverte aussi de local.